Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Blue Dragon. Alors, la dernière fois on avait battu une espèce de boss. Enfin, un gros monstre, tout bizarre, qui regagnait de la vie tout le temps. Et on avait réussi, donc ici, il était caché dans le coin, à battre un... Enfin, pas à battre, à sauver un membre de la tribu Sheep qui s'était égaré. Regardez. Oh, mais il y a un coffre direct. Ça y est bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Une boucle d'oreille en cuivre. Oh, c'est cool ça. Ça fait quoi? Mais non, c'est pas les compétences que je veux, c'est les accessoires. Boucle d'oreille en pierre. Plus 20. Plus 35. Voilà. Plus 35. Toi, tu n'as pas de boucle d'oreille. On va te mettre boucle d'oreille en pierre. Résistance magique, c'est bon. Alors voilà. Ici, on a de l'herbe épineuse. Ça, c'est cool. De l'or. Rien. Dans l'arbre mort, y'a rien. Là-bas, y'a un autre arbre mort. Et ben, on peut pas, hein, t'es juste là. Voyons voir ce qui nous attend dans ce petit monde. Oh. Étendue sauvage orientale qui nous accueille déjà avec un magnifique petit coffre. Élixir de vitalité. Qui c'est ce que je vous ai? Un loup charognard fantôme. Et il s'enfuit? Oh, ok. Ah, la tête par derrière en plus, les bestiaux. Sors! Machine noire! Vent! Sur lui! Oh la vache! Ça a été vite d'un coup là! Fauchage et paf, attaque, non, sort, magie blanche, soin, bah sur elle hein, déjà parce que voilà. Bien fait. Tu dois donner de la vie. Et toi, tu prends ça, toi. Toi, tu regardes de la vie. Niveau suivant, niveau 9. Pas mal. C'est quoi ça? Machine incroyable. C'est ça qui a percé tous ces trous. Néné la dirige peut-être, comme le requin terrestre. Et il va utiliser ce truc contre le village? Pas de panique. Allons jeter un coup d'œil. Avec notre magie, on pourra peut-être faire fonctionner cet engin et rentrer au village. Ça, c'est un bon plan, Giro. Ok, c'est un bon plan, machin. Il n'y a pas un coffre, donc quoi? Là, il y a un arbre mort. Là. Il n'y a rien. Une herbe épineuse. Non, mais je veux pas aller par là. Je vais aller par là. C'est parce que voilà quoi. On va grimper au truc. Bah c'est d'Alain.
Ok. Donc le machin il s'est barré tout seul. Oh, il y a un coffre là. Bien les coffres. Toujours plein de trucs dehors. Une médaille. C'est quoi une médaille? Ça sert à quoi la médaille? J'ai jamais expliqué ce que servait une médaille. Ok, là y'a rien. Là y'a un coffre. Ah chouette, une serre de phénix, ça sert à animer des trucs. Les petits... Bonjour monsieur 18. Bienvenue honorable client. Nos maîtres utilisés ces objets devraient avoir les mêmes effets sur vous. Je pense que vous aimerez, ils sont en vente. Que cherchez-vous? Des objets, des accessoires, des ors. Bon, déjà des objets. 2800. Non. En fait, c'est très apprécié. Cherchez-vous autre chose. Oui. Les accessoires. Bracelet en cuivre. Boucle d'oreille en cuivre. Deux. Un collier en cuivre. Bon, j'ai beaucoup acheté. Oui, je veux quoi comme sort? Acheter. Guérison, poison, brasier. Il faut un bouclier. On prend un brasier peut-être. Oui. Oui. Voilà. Donc, allez, là on va mettre des accessoires. Ah, c'est en cuivre, ça c'est bon. Anneau en cuivre. Là, c'est plus 25, là plus 30, voilà. Ça c'est bon. Collier en cuivre. Voilà. Bracelet en pierre. On va mettre un bracelet en cuivre. Anneau en pierre. En cuivre, anneau en cuivre, collier en cuivre, collier en pierre, anneau en cuivre, voilà, on est bien, on est bien, on a plus une thune, mais on est bien. Qu'est-ce que tu veux toi? Voulez-vous apprendre une technique de combat que vous m'avez enseigné? Ok. L'indicateur de charge affiche une barre orange, le poids optimal. Si vous stoppez la charge quand l'indicateur atteint le poids optimal, vous utiliserez moins de PM, vous réduirez l'attente avant l'action. Le soin par hypnose à onde électrique coûte 18 heures. L'acheter? Oui. Tu attaques? Le soin est terminé, venez quand vous voulez. Ok. Donc on sauvegarde. Y a rien pendant 10 heures. Et là. D'un coup. Foreuse. Je suis dans la foreuse. On vient coller dedans. C'est rien. Si elle est dans le coin. Si je roule. Mais lui se déplace. Ouais, c'est cool. J'ai trouvé 10 gold. Je suis déjà presque remboursé sur un truc. On va aller faire un tour par là. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Bon, passez pas par là. Oui. On va descendre. Vu qu'on est coincé là-dedans. Hein. Y'a pas les petites musiques d'ascenseur. Dispositif anti-fantôme. Ouais, super. Ghostbusters, ce truc.
Qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, il y a des coffres. Un vulgaire remède. Et deux médailles. Mais je sais pas à quoi ça sert une médaille. C'est gentil, mais moi je sais pas les ouvrir les bordels là. Coffre. Trois médailles. Il y a de plus en plus de médailles. Je sais pas où elles servent, mais. Je peux pas aller par là. Oui, on va au troisième étage. Il y a peut-être d'autres trésors. Hein. Il y a peut-être un boss aussi. Hein. Ok. Par là, il n'y a rien. L'intérieur du tuyau. J'ai trouvé, je sais pourquoi. Putain, la taille du machin. 5 jours. Et puis, une aiguille se déplace. C'est pas vrai. Oh, il y a un bestiau là. Ah bah ils nous attaquent hein. Ils attaquent le pépère. Je suis à touch. Ah il attaque en premier aussi hein. Ça va. Attaque sur lui. Bam. Attaque. Sors magie noire. Oh brasier, brasier. Attaque. Sur lui. Ah tu viens d'aller. Eh bah tiens prends tout ça. Paf. Attaque, paf. Sors, agis-toi, brasier, sur lui. Attaque. Oh bon, c'est pour bien terrible le bestiau. Hein. Ouais, c'est pour bien méchant. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un autre truc. Allez, viens la pépé. Bon. Comment ça? Alors, c'est rouge, blanche, soit... Sur le... Attaque, allez. Je sors. Magie noire, non. Sur lui. Et hop là, on attaque. Oh la vache. Oh c'est puissant. Ah c'est puissant le vent contre eux. Et bah dites donc. Ça c'était chouette. J'ai trouvé, je ne sais pas quoi. Tu es au coudé. Cool, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Aucune idée. Nous on va aller par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Qui êtes-vous? Laissez-moi
me rends tranquille. Varro? Ce n'est pas la voix de Néné. Et Néné dirait pas Maro pour parler de lui. Il a évolué. C'est pas non plus la voix des sphères de lumière? Mais bien sûr. On sort au bout. Oh, encore toi? Ce qu'on a entendu, c'est peut-être la voix d'un ami de Néné? Ce serait bien. Il pourrait peut-être nous aider à trouver Néné. Tu vas te retrouver nez à nez avec Néné. Bon, ça va. J'aime trop les questions. Alors ça, les yeux blanches sont... Oh bah on va faire... Furel. Attaque. On va faire mourir. Paf. Sors dans une noire. Bon. Allez. Hop, en plein milieu, héros de la poule. J'arriverai jamais à récupérer de la vie. Voilà. Ce robot était-il toujours aussi faible? Sont devenus forts. Ouais, je suppose. On pourrait se renseigner sur Néné auprès de la personne qui est derrière cette voix. Canalisation. Vous avez presque été aspiré. Tout le monde baisse un peu. Oh! Ça veut pas s'ouvrir. J'entends quelqu'un à l'intérieur. Peut-être que c'est verrouillé ailleurs. Ok, c'est verrouillé ailleurs. Ou aucune idée. Travaille activement. Piston. Bouton quelque part. On va retourner à l'étage de B. Mais pour découvrir ce qu'il y a à l'étage de B, eh ben, on attendra la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide bien. Et à bientôt tout le monde, ciao ciao!